Bonjour à tous et à toutes, ici Makage pour une autre vidéo tuto sur Trial Evolution dans Au cœur des vallées. Et j'avais terminé sur cette piste pas très nette. J'avais oublié de faire la fin de mon intro, alors on se retrouve pour la course de la ville sombre. Extrême. Toujours avec la moto acrobatique. Puis ça, c'est une des pistes que je trouve personnellement les plus dures à cause d'un obstacle en particulier. Si on penche vers l'avant. On vous l'explique. Je penche vers l'avant, on clenche. J'ai beaucoup de mal à me stationner ici. Comme vous pouvez le voir. Saut de lapin, on penche vers l'avant, on tient de l'équilibre. On est passé. Ici, bateau arrière sur le deuxième morceau de métal. Dès qu'elle touche ici, flipper vers l'arrière. Et avant, arrière, avant. C'est un petit truc. Personne ne le fait, mais moi je trouve ça amusant. Et voilà. Ah merde! T'es resté ici, bondisseur, arrêtez pas comme moi. Vers l'avant, vers l'avant. Merde. Saut de lapin. Sautez le poteau si vous pouvez. Faites attention. Oh! Aux voitures. Faites attention aux voitures. Vous pourriez vous blesser. Pente abrupte. Allez-y d'un coup. Non. Pantel. Si, sautez sur les trois premiers tonneaux. Comme ça, par l'avant. Atterrissez sur la poubelle. Ici. L'obstacle qui m'a fait le plus rager de toute la putain de piste, c'est celle-là. Beaucoup vont s'essayer, ils vont faire ça même, ils vont partir, hop! Hop, ils vont essayer de sauter par-dessus l'autre. Mais non, mes chers amis, j'ai trouvé le secret. Partez d'ici. Restez en arrière, penchez pas vers l'avant, vous n'avez pas de bonne vitesse. Ok? Vous restez, si vous partez dans le coup, vous allez faire ça. Vous allez donner deux, trois petits coups comme ça. Vous allez partir en beauté. Il rentre à la dernière planche qui est celle-là ici, vous flippez vers l'avant. Non. Merde. Alors ça va donner ça ici. Vous allez atterrir sur la deuxième palette et vous allez rebondir sur cette palette et sauter le panneau. Attendez, monsieur, j'ai raté mon coup. Il faut vraiment exagérer le mouvement. Ok, vous pouvez vous arrêter sur la palette si vous le pouvez. Rendu ici, là. Hop! Je n'y crois pas. Ok. Faut croire que le jeu veut vraiment donner de la misère aujourd'hui. Là, on recommence. Non, je l'ai encore raté. Ok, c'est assez. Et voilà, vous rebondissez sur cette palette et vous dépassez la pancarte de chiffrage. Alors, continuons. Non, ça c'était affreux. Mais affreux. Après que cet obstacle-là est passé, là, de le voir, c'est pas mal plus facile. Et voilà, comme ça, comme ça. Saut de lapin. Deuxième obstacle difficile, mais bien moins difficile. Il suffit juste de trouver le bon timing pour pencher vers l'avant. Je crois que c'est à peu près là. Là-dedans, ici, là. Rendu là, vous flippez vers l'avant. Porte de la clôture. Non, pas vrai. Vous devez faire une roue arrière. Rendu ici, vous flippez vers l'avant. Mais le timing doit être parfait. Attention.
Attention, il va, il va, il va. Ah, on le fait-tu pas, non. On le fait-tu, on le fait-tu pas, non. Ah, vous avez vu, il y a du progrès. Non. 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 Non plus. Non plus. Faut faire toute la rampe en voilier, je crois. Oh putain! Non mais ça c'est un obstacle le plus chiant qu'il y a pas en toute la piste. Ah on est passé là! Aïe tabarnak, pas de patience. Non mais putain! Est-ce que ce cauchemar va se terminer un jour? Oups, j'ai pris mon verre. Ah, il faut coller à la planche, il ne faut pas faire une roue arrière, il faut se coller à la planche. Si tout le monde fait comme on veut, hein? Je préfère vous montrer comme du monde, faire la piste au complet, tu sais. Bon, moi je pense que l'explosion a eu comme 50 fois là. Bonus. Et voilà, c'est terminé. Une autre piste d'accomplie, mes chers amis, en 73 secondes. Au. Alors, dans la prochaine vidéo, on va faire l'épave. Si vous avez de quoi, laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Salut à tous et à toutes, et bonne journée. Peace!